Salut les amis, c'est Max. Bon, voilà, on va se faire une petite session encore du midi. À la pause du midi, déjeuner du boulot. Donc j'ai un petit peu moins d'une heure. Donc on va continuer la suite du parcours que j'ai fait précédemment. Donc là, on va être en truite. Les collègues. Donc voilà, on est encore en première catégorie en ville. Donc on va essayer de se faire quelques petites truites en espérant que ça fonctionne. Donc voilà, donc si on se retrouve, si on fait du poisson, déjà si je pense, si vous voyez cette partie là, c'est qu'on a fait du poisson. Allez, c'est parti. On va essayer de se casser la binette, faire piquer par les orties bien évidemment. La galère, sortir l'épuisette. Hop, direct. Je vais pas m'approcher trop près. Donc je vais commencer au tricorol de chez Ilex. Excellent verre, plonge pas trop. Oh, je sais pas si j'ai une tape ou s'il y a une accroche. On va relancer pour voir. Ah, j'ai dû avoir une tape. J'ai dû avoir une tape. J'ai dû avoir une tape. J'aurais pu me casser une jambe ou quelque chose. Punaise. J'avais pas vu trop. Ah, la saloperie de tout. Oh. J'ai mon pied pile-poil dedans. Oh, ça pique. Ça pique, ça pique. C'est peut-être pareil le poisson avec le ramen que j'ai fait. Oh, c'est bon. Poisson. Yes.
Un petit pike. Un petit pike. Ah, j'ai rien pour le décrocher en plus. Un petit pike. Un petit pike. Voilà, je vais essayer de pas tomber dans l'eau. Je prends mon épuisette. Enfin, l'épuisette à Fabrice. Ça va être compliqué de le décrocher. Oh bah voilà, un petit païkouné. Ça semblait bien que j'avais vu une queue. Je pensais que c'était une truite. Oh putain, je galère à remonter. Oh, l'épisode de la copain, elle est déchirée. Allez. J'ai accroché de partout. Non, 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 fais pas ça, mon gars. Surtout pas ça. C'est le problème des mailles comme ça. Bon, je vais pas le prendre. Si je vais le prendre en photo quand même. Ça fait tellement plaisir de faire un peu de poisson. Hop, allez. Ouais, je suis dégoûtant. Voilà. Allez, mon petit gars, tu repars à l'eau tout de suite. Impeccable. Impeccable, mon frère. Bon, bah voilà. On reviendra essayer demain. Faut que je pense à réparer l'épuisette à mon collègue. Je vais un peu la nettoyer parce que vu qu'il y a du mucus de brochet, ça va pas sentir bon dans l'auto. Donc voilà. Bon, ça aura pas encore été. Bon, ça aura pas été fou, bien évidemment, parce qu'on n'a pas énormément de temps pour pêcher. Mais bon, au moins on fait quand même du poisson et ça c'est vraiment super. Voilà, il y a des moments où on fait rien. De toute façon, je me suis dit que si par exemple demain je viens et je ne fais pas de poisson, je pense que je mettrai quand même la vidéo. Parce que voilà, c'est aussi ça la pêche. On vient pour prendre du plaisir, pour être au bord de l'eau, c'est agréable. Le mieux, bien sûr, c'est de prendre du poisson. Mais des fois on n'en prend pas. Donc voilà. Donc c'est pas très grave. Aujourd'hui on en a fait, on a fait un petit brochet, c'est cool. Plutôt agréable, il est reparti correctement, malgré que j'avais pas eu de chance pour le décrocher, j'ai quand même réussi avec un petit morceau de bois. Il ne saignait pas, rien du tout. Donc voilà. Donc j'espère quand même que la vidéo vous aura plu au bord de l'eau. Vous aurez vu également une chute. Enfin du moins vous auriez vu du point de vue de la caméra. Je me suis bien esquinté la jambe quand même. Mais bon, voilà. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt les amis. Comme d'habitude, bonne pêche à tous. Portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.